Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'arrêter la musique dans la grotte de la rave party. Alors la grotte de la rave party, c'est tout simplement la grotte qui se trouve en dessous de la bomboche. Donc vous vous rendez ici sur le gameplay, boum, et là vous vous laissez tomber dans la grotte. Donc hop, ce que je vais faire, là je vais aller dans la grotte, donc ensuite je vais essayer de choper une arme, ce sera beaucoup plus simple pour... vous expliquer ce que vous devez faire. Donc là voilà, parfait, il y a une arme. Bon, c'est un pompe, c'est pas trop l'idéal. Et je vais chercher après une autre arme. Ok, là il y a un petit coffre. On va le choper, hop. Ok, un sniper, c'est plutôt pas mal parce que ça fait de très très gros dégâts. Donc voilà, quand vous êtes dans la grotte, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire la musique. Donc arrêter la musique. 3 fois. Il va falloir arrêter de la musique 3 fois. Donc regardez, quand vous venez ici, vous entendez de la musique. Là, ce que vous faites, c'est que vous allez près des platines, près des baffes, et vous détruisez la platine. Donc, hop. Voilà, vous détruisez la platine avec votre pioche. Voilà, normalement, ça devrait valider pour un objet de musique détruit. Donc là, c'est un autre objet de musique, les autres baffes ici. Vous tirez dessus, boum, vous l'explosez. Et ça fait 2 objets. Donc, trois objets, les autres baffes. Là, il y a une boule disco. Vous tirez dans la boule disco. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr que la boule disco, c'est un objet de musique. Parce que là... Ah, si, j'entends toujours la musique. Mais ça, c'est les autres danseurs, je pense. Mais voilà, franchement, des objets de musique, il y en a un peu partout. Faut juste regarder dans les coins. Donc là, je pense que j'ai tout détruit ici. Il n'y a plus de baffes. Il n'y a plus de boule disco. Je vais remonter un peu. Et normalement, il y a d'autres baffes dans les alentours. Donc là, j'en trouve pas. On va aller voir un peu plus loin. Ok, donc là, j'en vois plus. Peut-être par là. Ok, ça c'est, ouais, ça c'est des baffes, ça. Ça, je crois que ça c'est des baffes. Vous tirez dessus. Ah ouais, je crois que c'est des baffes ça. Vous tirez dessus et ça comptabilisera aussi pour votre défi. Donc voilà, vous cherchez hein, dans la grotte. Après des baffes, regardez, là il y en a aussi. Bouf, boum. Donc là il y en a plusieurs, hein. il y en a encore 2 là-bas. Hop, vous les détruisez. Et normalement, dès que vous aurez détruit 3 baffes, 3 objets de musique dans la grotte rave party, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.